Ah, à Solange, vous voilà. Bonjour, bonjour, monsieur de Beaumont. Au revoir. Je vous en prie, voyons pas de ça entre nous, appelez-moi Jean-Hugues. Ah, très bien. Attendez, attendez. Bon, alors, d'abord, avant que nous commencions, oui. Je tenais à vous dire, vous savez, toute l'amitié que je porte à votre mari, et à vous-même d'ailleurs. Ah, ça c'est gentil. Ah, mais je tenais à ce que ce soit dit, non, c'est vrai. Mais, bon, est-ce que vous savez pourquoi je vous ai convoqué aujourd'hui? Bah, j'avoue que non. Alors voilà, on a des gros problèmes avec le petit Kevin, hein. De gros problèmes. Ah, des gros problèmes, hein. Bah, c'est-à-dire que, bon, Kevin, il est détesté de pratiquement tous ses professeurs. Il n'a aucune oreille musicale, aucune. Aucun sens du rythme. Et avec, bon, dans une école de musique, c'est un peu contraignant, quoi. Ouais. Oui. Je vois ce que vous voulez dire. Vous voyez ? Dans l'absolu. Voilà. Cela dit, gardez-le, s'il vous plaît, je vous en supplie. Personne n'en veut de ce gosse. Moi, je sais plus quoi en faire. Mais oui, mais il y a... Il a été viré de toutes les écoles. Aucune babysitter n'en veut. Mm-hmm. Alors, à moins qu'il fasse un guide des écoles de la région, moi, je sais pas. J'ai pas de plan B, là. Je sais bien, mais il y a peut-être une raison. Moi, non, on peut pas le garder dans notre école. Il ne pourra pas s'intégrer dans une école de musique. C'est impossible. Je vois pas de solution, quoi. J'ai compris. Je vais vous faire un chèque. Je le fais à l'ordre de l'école. Non, il y a une immense méprise, là. Je ne veux pas de votre argent. Il est si mauvais que ça? Oui, il est très mauvais, vraiment. Je ne sais pas comment faire, voilà. Tous les professeurs, chaque jour, viennent se plaindre de lui. Moi, si vous voulez, au bout d'un moment, je peux pas... Mais vous savez, mon fils est un artiste. Il a besoin de temps, de confiance, pour s'ouvrir et pour s'offrir aux autres. Il ne dévoile pas tous ses secrets immédiatement. Et il a besoin qu'on l'aide à fusionner, à s'intégrer. Vous voyez, ce genre de choses. D'accord. Ah non, mais... D'accord. Non, mais c'est parce que, bon, moi, quand je dis... Oui, non, mais oui, parce que quand je dis... Oui. Bon, il n'y a rien à faire. Mais non. Bon, après tout, c'est moi le proviseur. Hein? D'ailleurs, je fais ce que je veux. Et vous faites ça très bien. Ouais, mais c'est très gentil, Solange, merci. Non, mais voilà, donc, bon, il y a sûrement moyen que j'en touche deux mots au professeur, qu'on le fasse un peu rentrer dans le moule, hein, c'est ce que je veux mais dire. Mais faisons ça, rentrons dans le moule, soyons fous. très bien. Vous avez chaud peut-être. C'est le chauffage. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Mon bureau là, ça me fout. Je sais pas ce qui. Très bien, mais non, mais je pense que ça devrait se. Ça devrait pas poser de problème. Hein. Mais alors, ce qui serait bien par contre, c'est qu'on se revoie pour reparler un peu du. Ah, mais je suis prête à venir vous voir régulièrement. Régulièrement, aussi c'est bien souvent ça. Souvent que vous en avez envie. Mais très très bien, j'aime régulièrement, ça me plaît. Oui. Donc, ce qu'on fait, c'est que. Je vous rappelle et on se revoit pour parler du petit Kevin, oui. C'est ça? En revanche, mon mari est très occupé, alors je pense pas qu'il pourra se libérer. Hein. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. On peut s'arranger tous les deux, hein, oui, seul à seul. Seul à seul, très bien. Bah, voilà, ce qu'on fait, Solange, c'est que je vous rappelle et vous revenez régulièrement, alors. Oui, hein, voilà. C'est super, ça. Vous êtes un homme bon, et je suis sûre que vous pourrez être encore meilleur. Oh, pas mal, merci. Au revoir, Solange. Au revoir, Jean-Hugues. Au revoir.